bazo luka ba kidnapper et lokopius mwabilo asali aza kidnapper ya lupango ya bato. Chose grave, le papa était entre la vie et la mort. Monsieur Kitambala Mutetwa Vuhuri, un vieux de 80 ans, Pius Mwabilu va rédiger une lettre. Le ministre Pius Mwabilu qui va faire un contrat de bail avec un sujet libanais, monsieur Hassan. Signature yango Pius Mwabilu a ko démentir signature. Pourquoi est-ce que tozo luka ba kuluna na balabala? Pourquoi est-ce que tozo luka miibi na balabala? Ça ce n'est pas le kuluna en cravate. Quand les avocats du monsieur ont écrit la lettre, Pius Mwabilu a rejeté lettre na ko répondre bango ke za récompense ya ndenga ndimaka appel ya Félix Tshisekedi po akota na Union Sacrée. Et tu vas soutenir Félix Tshisekedi na ko kidnapper mapango ya bato. Pius Mwabilu ne mérite pas être un ministre parce qu'il s'est rabaissé à un baer ya ba mapango. Ce qui papa na koufi na tension et vous allez sengo pona Pius Mwabilu. Mais au moment où tozo betali solo lupango ya bato bazo buka yango. Mais ça ce n'est pas être criminel ça. Seneca Dimanoudis, il a invité Joseph Kabila en quelle qualité? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Nous n'avons jamais accepté Kadima. Ndeko Antoine a utilisé Kadima pour Ndeko Kadima a solo lana ba leader ya ba parti politique nyo sobandi ma dialogue. N'est-ce pas que Kouyamba Kadima est à ko légitimiser? Et Joseph Kabila ne les recevra jamais. Non, non, il y a Kadima za pona makambu ya mboka te. Ou bien il veut demander que Joseph Kabila a financé ba élection. Vous voulez qu'on les juge comment? Ba carte d'électeurs déjà, ne jugement na ye à Libosot. Monsieur Antoine et son régime, ils nous parlent souvent de choses qu'ils ne font pas eux-mêmes. L'obligation qu'ils sont en train de faire et c'est que tout le monde impose maintenant au régime de M. Antoine de dialoguer avec le M23-1. Ça va fragiliser le président de la République. Le M23 demande un dialogue avec M. Antoine. Bah, je ne sais pas ce que M. Antoine doit faire. Herba M23 va kolingaba dialoguer nandeko Antoine va couper sa exigence na bango. Aujourd'hui, nous assistons maintenant à des spectacles désolants. Ce qui va bimi libanda balobi makambo mususu côté kuna pe ya M23 makambo mususu ezoloba. Moi je suis totalement contre justice na biso ndenge procédé. Ba memi scénario moko oyo tokoka ki ko assister na ngo et ça me pousse à croire qu'ils sont aussi impliqués na kati ya ba dossier. Herba présenté bango nyonso na moni place mon côté mutu moko a se présenté comme docteur. Procès oyo ba sali, c'est comme ça qu'ils ont démontré que la justice de notre pays et ça vraiment en lambeau. Le problème, c'est de toucher l'arbre généalogique et bandi wapi. La justice les a protégés. Tout ça, la justice, c'est moko yaba ta misère. Justice, il y a toile d'araignée. Beaucoup, toile d'araignée ko kangete. Biso banyama ya mikie. Justice, ko kanganga facilement. Mais moutou, oyo aza frika za homme fort. Justice, ko kanga ete. Ils ont voulu, dans leur esprit, Kolakisake, moi voilà, on a attrapé des gens tout sambisi bango mais manière ya ko sambisi la kisi donc ba mi fundi ba Peter Kazadi ba ko sale la biso statistique ya bato yo ba enlevant bato ba boma parce que ces gens là sont tout ça on a donné un secteur sensible à un militant de l'UDPS. Il n'a pas le niveau ya ko diriger ni niwana. Kinshasa est assiégé à ma institution. Capitale est qui cause à la toucher. Et comme c'est la capitale qui est touchée, nous autres, sortons à Bissoué cause à la nuit. Bozali ebele bandeko balandi ya Plus Clair Télévision bandeko balandi émission vérité de tous côtés mbote na bino ipa nyonso ezwami bino merci na fidélité merci na confiance sur Bozali ko renouveler na kati ya la chambre de vérité voilà pourquoi mokolo moelo toujours na souci à conformer bino dans la vérité mais aussi à temps réel tozali ne sembu ya kuyamba pona bino moi na mboka Floribea ou yozali bongo moko ya ba structure Kabila Forever
et le monaye de Solomon Matadi Mbokanabiso République démocratique du Congo et kasi yamboto pesaye maloba na pesi matondo mingi na baignon so kozali kolanda biso de partout surtout awa ningomba Kinshasa. Merci na fidélité, merci na confiance pour na baignon na ko ba s'abonnerti. En tout cas, s'abonner na Kati Applique la télévision une manière de soutenir Moussala Otozali Kosala et conformer Bino dans la vérité. Voilà, sans plus tarder, je vais vous inviter déjà à inviter Nanga, Florie Béam Bote Naye. Oui, Bote, moi je suis Joël Kombe, je suis un dada Joël Kombe, parce que chez nous, dada signifie Yaya. Et puis, il y a des signes de respect. Je suis un Bote, je suis un Bote, je suis un YouTuber, je suis au basuili bakuya Hollande biso bao ba soutenir biso de loin et de près na petit mbote na autorité morale nanga Joseph Kabila Kabange et puis na président nanga Junior Mpeche. Je pense que nous allons passer de très bons moments ensemble sur ce plateau, bien que vous savez à un certain moment ba situation nyonso ezo koma na mboka na biso ezo faire tomber biso malade mental. Et puis, ils ont semé moi, virus et belé, parce qu'il y a des choses normalement qui ne devraient pas se faire, mais ils ont salé moins parce qu'il y a un certain groupe de personnes, au baso, luka, komisa, la, loko, la, baza, indispensable, loko, la, bangonde, empereur, na, lo, bata, roate, baza, empereur, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui peut changer, ce qui bango, bazate. Par exemple, Naye, avec un dossier vraiment, je peux dire, un très sale dossier de la part de y a Excellence Pius Mwabilo. Bazo luka ba kidnapper, mais eloko Pius Mwabilo a sali, aza kidnapper ya lupango ya batu. A kidnapper lupango ya batu, parce que na préféré terme wana ya ko kidnapper lupango pour... Et ça, actualité, il y a des kidnappers, des kidnappings. Mais comment un certain monsieur qui tambala, moutetoua, vouri, un vieux de 80 ans, a somba loupangounaye en 1983, awa, naloukousa, Gombe, numéro 52. Le vieux, au moment où tozobe tali solo, loupangou, certificat ya lupango naye ya ngoyo depuis 1953 ayaki ko réhabiliter yango. Vous savez comme moi que à l'époque ya Mobutu avec Kabila, il y a une office babengaka office de bien mal acquis, office de bien mal acquis, et ça la ba contrôle boye ba ke soki muto azwaki biloko na lolenge ya mabe. Où est la lettre, il y a office de biens mal acquis et salemaka en 1994 à l'époque. Il y a Mobutu, qui a retrouvé que le vieux était en ordre. Elle a changé combo, il y a Lupangu, a salissi deuxième certificat, naye, et puis Oyo, il y a dernier certificat, ayaki kozwa. Office de biens mal acquis et puis ça qui rapport. Que c'est lui le propriétaire de la parcelle et puis il a tous les documents qu'il faut. Au moment on a parmi bah, lettre na pesio na numéro ya cadastre. Mais chose grave, je dis bien chose grave, le papa était entre la vie et la mort. A tombé vraiment malade, regardez l'âge, et rakepo a se faire soigner. Na poto azui bazocha peinture po bakoti sa locataire. Et permettre que mongo wana salanini atindaka batindaka kuna po ba soigner mbala moko Pius Mwabilo va rédiger une lettre ba zui lupangu wana a récupérer yango comme lupangu ya l'état, et c'est le ministre Pius Mwabilo qui va faire un contrat de bail avec un sujet libanais, M. Hassan. C'est pas possible. Le ministre a aussi le contrat de bail. Ministre. Yango yo, signature yango, Pius Mwabilo a ko démentir signature. Ministre a sali contrat de bail. Donc, na minute, combo yako benga Pius Mwabilo, excellence, il faut to longola yango, parce que excellence, mon côté, eza, na chef na ye. Et tala Pius Mwabilo, chose grave,
il va encore rédiger une lettre concernant l'attribution de la villa 6 avenue Lukusa numéro 52 commune de la Gombe Lupangu ya batu ya papa wana. Ah bien monsieur, sur proposition de la direction de la gestion immobilière, j'ai l'avantage de porter à votre connaissance que les villas mieux identifiées sous rubrique vous est attribué à titre locatif. À cet effet, il vous est demandé d'entrer en contact avec la direction de la gestion immobilière pour remplir les formalités administratives y relatifs. Yangoyo, lettre Pius Mwabilu akomeli monsieur Hassan po akota na kati wana. Namonyo ba pesi garantie à 5000 dollars loyer oui. Mensuel 950 dollars. Justement. Comment est-ce que Lupango oyo eza ya mutu? Pius Mwabilu en quelle qualité en tant que ministre ye akoki ko sala ka ba contrat de bail? Est-ce que cette parcelle n'a pas été peut-être vendue par les enfants et à papa ou wana? Non, en fait si la parcelle a été vendue. Mm. Ce n'est pas, si ça a été vendu, ça serait à la personne qui a acheté la parcelle, né à Kokikoko, si ça monte, n'est-ce pas? Mais plus moi, Biloza, ministre et urbanisme et habitat. Est-ce que nous pangou Oyo, Eza Yaye, parce que qu'ils ont utilisé le logo à l'État. Ok, il y a ministère. Il y a ministère. C'est-à-dire qu'il se fait que, Azo loba lupango oyo eza lupango neti ya l'état mais il est en train de faire des contrats. Regardez ça, c'est un entrée durée à contrat de bail à déterminer en wana. Toujours c'est lui avec la signature. Et maintenant moi je me pose une question. Pourquoi est-ce que tozo luka bakuluna na balabala? Pourquoi est-ce que tozo luka miibi na balabala? Ça ce n'est pas les kuluna en cravate. Oyo eza kuluna en cravate, c'était. Pourquoi est-ce qu'il faut exposer kaka bateau bazo enlevé bateau? Mais lupango ya bateau eza enlevé. Et sur base de quelle qualité? Le ministère, c'est tout un secteur. Oyo eza administrativement bien assis dans chaque secteur. Et mine plus mwabilou, est-ce qu'a koki ko yebisanga sur base de quel élément yé a commis propriétaire ya parcelle et puis sur quel de sur base de quel élément plus mwabilou fois ça là ba contrat de bail. Et qu'est-ce qui se dit? Le principe attaché au kesa le pan où il y a l'État et puis ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui. Parce qu'il y a, vraiment un gestionnaire où il y a Jérakamapan, où il y a l'État, dans ça, il y a un rapport et pas Pius Mwabilu. Okay. Que Pius Mwabilu nous dise les rapports, il y a un gestionnaire, il y a Mapanguana, où il y a un salaire qui est pour le Bissaye, qui est le Panguana, il y a l'État. Et qu'est-ce qui s'est dit quand les avocats du Messier ont écrit la lettre? Herbe a commis lettre et commis Kuna, Pius Mwabilu a rejeté lettre. Na ko répondre bango ke za récompense ya ndenga ndimaka appel ya Félix Tshisekedi po akota na Union Sacrée que Pius Mwabilu a démentir yango. Il dit oh que lupango oyo azui yango na compte ya ndenga kota ki na Union Sacrée moto ali boso ya kondima offre et il est en train d'envoyer des messages pour dire que non Air Bantu ya FCC babane ko ki ma ba réunion ba conseil des ministres ngana zalaka. Asali, nini, comment on appelle ça, regroupement, pour appeler sa Félix Tshisekedi majorité, et agroper sa Félix Tshisekedi majorité, nini, il faut foutre ta caution, il faut ça la nini, mais c'est toi-même qui as choisi d'être dans l'Union Sacrée. Plus Mwabilu, yemoko mouta poni ko sa la nini, ko soutenir Félix Tshisekedi, et tu vas soutenir Félix Tshisekedi na ko kidnappé ma pangou yabatu. Vraiment, ce qui plus Mwabilu ba reprocher n'a rien ba signature yango yo ya ba lettre nyonso o plus Mwabilu azo répondre ce qui que ah, ce qui fait falsifier te ce qui ba sal usage de faux non mais qu'ils viennent répondre qu'ils viennent démentir ça non et bon erna na zo loba ça ce sont les documents ya o ya contrôle ya 2014 o esale maki pona office ya bien mal acquis. Oyo ba pesa ki reba ba kontrolaka, on a trouvé que c'est le propriétaire, c'est monsieur Mwekitambala. Mais qui nous allons où? Nous allons où avec tous ces manœuvres? C'est vraiment pourquoi est-ce qu'il faut sacraliser
l'État. Pourquoi est-ce qu'il faut caporaliser l'institution et l'État? Et je veux que ça Malukonde a convoqué Pius Mwabil ou va suspendre yé. Et tout ça, les problèmes, les appels à bateau, ils ont voté. Vous votez une personne qui n'a pas de valeur. Parce que où ils ont anti-valeur. Ça, c'est manquer de valeur. Un ministre, donc Pius Mwabil ne mérite pas être un ministre parce qu'il s'est rabaissé à un baer. Donc voilà, aujourd'hui nous avons compris et je demande à M. Pius Mwabil, il y a quoi il y a fait ou il y a contredire, il y a une signature. D'accord. Ce qu'il y a fait, il y a un président de la République, Namakambu Oyo. Azo intimidé batu na kombo ya président de la République, je sais qu'il ne va pas s'en sortir na lupango ya batu. Lupango wana eza ya batu, le vieux a 80 ans. Ce qui papa na kufi na tension parce que za tension ezo mataye des fois et ki titi na ba 5 pour na makambu ya lupango, un vieux papa de 80 ans. Ce qui a kufi lelo et vous allez sengo pour na Pius Mwabil. Matondo mingi mwana mboka a Flori Beya, je crois. Soto yokiyo. Na ba document o présenté biso awa ndeka na otolo ba kinote za ta musute ki ayebi makambo te mais soki ayebi yango te ko sala malamu mingi ndenge mwana mboka Floribe ayebi parce que le parquet cour d'appel il y a une lettre, ça ce sont les avocats, il y a papa, il y a propriétaire, ça c'est la lettre des avocats qui ont écrit, c'est ça le deux lettres ba komela ki na parquet, parquet cour d'appel et commis lettre batinde li Pius Mwabil alobi anine pour des raisons administratives azo rétablir mutuana mais au moment tozo betali solo lupango ya batu bazo buka yango. Ah donc ba buka ngo bazo buka lupango ya batu donc até wa koti wana, je vous dis vous pouvez aller avec votre caméra boko mana aveni luku sa numéro 50 bazo buka lupango bakomi ko changer ba ministre ba yaka ko kangana ba journaliste. C'est ça. Dernièrement on a arrêté le journaliste de Yokaki. De Yokaki qui le nom du ministre a été cité dans le même dossier. Il est dans tout alobi ke yeza récompense ya nenga kota ki union sacrée. Donc récompense na yebité ce qui ndeko Antoine a koma ko yebisa batu nyonso ba kota na kati ya union sacrée ke boboto la kaba mapango ya batunde récompense na pesi bino. Vous savez, si je l'ai toujours dit, le loyo batu babandala kotanga Joseph Kabila na bakombo nyonso. Mutu mususu akokenda sali makambu na ndenge na ye, mais tellement que le président de la République pour les Congolais azalaka saint, azalaka omniprésent, raison pour laquelle le nom revenait toujours que Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, si Félix Tshisekedi Alingi a soigné image naïe. Ce sont des gens qu'il faut faire partir. Parce qu'il cite les noms du président. Je vous dis, Pius Mwabil cite les noms du président. Même les propriétaires, c'est vrai qu'il est malade. Ce qu'il est malade, c'est qu'il marchait boé. Nalinga na sala de toutes les façons. Na me mayo omo. Ogoyo kamawa, tu ne sauras pas le voir. Le vieux est entre la vie et la mort. Donc le vieux Moutambal n'a même pas 500 francs ya kopasuka. Il a accepté ya botika lupango na ye ya munene akende akotata na mwa lupango ya mukie oyo ke soki muto azo futa ko ne permettre ya zwa ba santé. Mais ça ce n'est pas être criminel ça. Merci beaucoup. Moi, je suis Flori Beya. Je suis en émission à Bissot. Je suis en émission à Talim Boka à Bissot. Dernièrement, tout le monde a qui invitation. Denis Kadima, Dali Bongo, président SNI. Atinde la qui ancien président de la République, Joseph Kabila, poète. Je suis en émission à Talim pour ce processus électoral. Tout le monde a pété. Tout le pété. Joseph Kabila pour répondre à l'invitation. Il y a Denis Kadima. C'est pourquoi. Parce que Baninga va répondre à qui les quatre leaders Bazala Kiwana. Après, il y a deuxième invitation, Bazala Kiwana. Adolphe Mouzito qui n'a pas répondre. Troisième, Bazala Kiwana. Même si tout le monde a été dernièrement, par contre, on a mangé sur ta vie, vous avez jugé, vous respectez, vous avez jugé par tribunal. D'abord, je commence par la question. La CENI travaille avec deux partis politiques
ou des regroupements ou avec des individus. Que Denika Dima nous dise, il a invité Joseph Kabila en quelle qualité? Autorité morale, la FCC. Non. Vous savez, au moni, nous sommes bien ngai, biso ba tout autant ka mwa ndambu. Mais est-ce que Denika Dima a yebi procédure normale? Ça c'est oza oza li sous incompétence na gestion na yé. La question reste à savoir, il a invité Joseph Kabila en quelle qualité? Joseph Kabila, tout en étant l'autorité morale du FCC, il a une famille politique. Et sa famille politique est composée de regroupements, est composée des partis politiques et des assemblées. Si normalement, sa question était de parler politique ou de parler élection, il devrait normalement rédiger la lettre au coordonnateur du FCC qui est le camarade Raymond Tshibanda. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une procédure normale pour solo la élection? Est-ce que Kané ni Joseph Kabila sa camarade y a Denis Kadima? Batanga classe moko. Non, non, nous devons tozo kende na basans wana. A benga ki yeba kangane photo ou bien ba kende ba fanga na restaurant balia. Est-ce que bazana nou ba camarade? Si, est-ce que derrière, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Denis Kadima devrait, si normalement, inviter, il devrait rédiger la lettre à la coordination du FCC, soit à contacter ma partie politique en particulier. Et aujourd'hui, il peut nous dire, Denis Kadima, il peut nous dire, Joseph Kabila représente quel parti politique? Fandi Kimia. Parce que Bissot, Kabila Forêt Vert, nous allons dire que Joseph Kabila nous représente et nous les représentons aussi parce que Kabila Forêt Vert, c'est Joseph Kabila. Génération Kabila, c'est Joseph Kabila. Le PPRD, les FCC, les MSR, ma partie Nyon Soana, c'est Joseph Kabila. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas rédigé une lettre? Au lieu de regrouper ma partie Nyon Soana, il parle avec les autorités du FCC pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais nous, on ne peut pas se mettre sur une table. Mais quand Martin Fayoul aussi, il en a habité. Zaki Kana compte, il a décidé, tout Zaki Pé à la Mouka, parce que la Mouka Pé, il y a une partie Bélé dans quatre. C'est ce que j'ai dit, non? Martin Fayoul, n'est-ce pas que c'est le président qui a décidé? Mais Joseph Kabila, c'est le président appartient. Statut à partir nini au roman à Joseph Kabila président. Exacté. Et maintenant la question reste à savoir. Nous n'avons jamais accepté Kadima. Nous les FCC. Nous avons toujours décrié le fait que Bacha Kadima na forcing. Le problème avec nous c'est Kadima qui est le problème. C'est lui le problème. Je vous dis, le problème, c'est Denis Kadima. Et vous savez ce qui s'est fait, c'est quoi? Ndeko Antoine a utilisé Kadima pour Ndeko Kadima à solo la naba leader y a ba parti politique Nyon Sobandima dialogue. Mais ici, nous, on ne peut pas, nous, les FCC, Moutou Otoloba qui yete, Aya Lissousou, Afandi Sabiso, pour à convaincre Bissou. N'est-ce pas que Kouyamba Kadima est à légitimiser? N'est-ce pas que ça peut sa légitimité? Mais nous, on dit que Ndeko Kadima est illégitime. Et comme ça illégitime, on ne peut pas nous couper sa valeur et importance. Belé. Kadima, s'il a besoin de voir Joseph Kabila, pour Akangana et photo. To Asalanini, il n'a qu'à le faire d'une autre façon. Allons la casquette, il y a CENI. Il s'est posé des problèmes que nous avons décriés. La CENI jusqu'à là est monocolore. La Cour constitutionnelle est partielle. Et tout ça, ce sont des questions qu'on avait posées à Denis Kadima depuis longtemps. Mais depuis tout, Kadima Makambu, Oyo, Atikala, qu'on répondrait. Alors,
Nous ne devons pas nous attarder na nini wana. Ça relève de l'impolitesse politique na part ya Denis Kadima. Il ne sait pas respecter le responsable du FCC, c'est-à-dire ye Denis Kadima. Ba Remo Tshibanda, ba tu Oyo, Joseph Kabila Acha. Comme ba gérer tout ce qui est politique, ba affaire politique na ye, yazo considéré bangote. Yazo considéré ka Joseph Kabila. Et comme asali yango bongo, akende aluka Joseph Kabila alors. Parce que Joseph Kabila ne les recevra jamais. Joseph Kabila chez nous c'est la discipline. Il devrait vraiment aya peut-être que ça la yango asenga moi sympathie ya FCC avec le coordonnateur du FCC. Ce n'est pas ce qu'il veut faire hein à ça la échelon na baba fourchette amilayu wana. C'est trop banal. C'est vraiment banal. Non non, yeka di maza pona makambu ya mboka te, kadi maza piyo moko bazo utiliser. Kadima za piyo moko bazo utilize. Aujourd'hui, tous les Congolais devraient s'apprendre à Denis Kadima. Le lo oyo ba carte de lecteur. Ezo bilongi, ezo longwa, ezo s'efface. Alors, c'est une préoccupation. Justement, mais il a fait ça à ça la ki yango na objectif. Donc, le lo Kadima a bakisi na proverbe oyo. Alongo li proverbe oh baloba, les paroles s'envolent, les écrits restent. Na Congo, les paroles s'envolent et les écrits aussi s'envolent. Et il n'a pas encore résolu ba problème wana oeza ya malonga. Il nous a dit, lui-même il a dit, qu'il se pose un problème de financement. Ya mapunami, makambu ya insécurité. Maintenant, il veut parler avec Joseph Kabila. Pourquoi? Ou bien il veut demander que Joseph Kabila a financé ma élection. Il n'a qu'à le signifier. S'il veut que Joseph Kabila a financé ma élection, a comme objectif, n'a qu'outanana yo parce que l'État n'a pas l'argent à financer et je veux que Binobo prête un mbongo pour financer ma élection. Si c'est le cas, on peut voir par quel moyen il va lui écouter. Non, non, en fait, le problème c'est que Kadima n'a pas qualité à Kokomela Joseph Kabila lettre pour Koutananaye. C'est ça le problème. Maintenant, on a analysé dans l'année dans lobby, est-ce qu'Azo Luka Joseph Kabila pour financer ma élection? Ou bien Aye Bisabango, comment est-ce qu'il avait financé les élections avec les fonds propres à Congo? Ou bien à expliquer, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il est. Donc, je commence à voir Denis Kadima, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit de quoi? Soit il y a une peine à la paix, détail à Kadima. Donc, je vais. Non. Il faut que juger par rapport à l'acte. Mais acte, il y a les bossos, ce sont les cartes d'électeurs. Vous voulez qu'on les juge comment? Bah, carte d'électeurs déjà, mais jugement, il y a les bossos. Il y a les jugements, il y a les jugement ya mibale to mona ki ba membre ya IDPS na ba kit électoraux. Oyo akbande ko kende na Kasai. Enrôlement sous Denis Kadima ba triché. To ko juger Kadima nini. Il est audit ya fichier électoral. Stricture oyo esali. Exact stricture moko fiable été. Ce sont les actes qu'on peut juger Denis Kadima. Cartographie. Atikali ko rendre yango public te. Il a fait la cartographie sur base. Il y a densité. Est-ce qu'il a tenu compte de la densité na démographie na biso? Ça, ce sont vraiment des choses autres qu'on reprochait Denis Kadima. Et Denis Kadima, lui, atikala nengazawana, nous, on ne le considère pas comme un président de la CENI. Et comme on ne le considère pas comme le président de la CENI, on ne peut pas faire comme tout le monde. Les autres peinards vont reconnaître Denis Kadima qui est président. C'est une raison pour laquelle Bandimi est. Nous, on ne les considère pas comme un président de la CENI. Nous avons considéré Kadima comme un membre de l'UDPS qui est la CENI. Et nous, on ne va pas aller aux élections avec les combattants de l'UDPS qui ont organisé Maponami. Kadima, c'est un combattant de l'UDPS. Il organise des élections. Et nous, on ne va pas répondre à l'appel. Il y a combattant, il y a UDPS qui est Denis Kadima. Merci beaucoup, Ndeko Flori Béa. Tous les amis, bonne émission à Bissot. Situation sécuritaire, il y a beaucoup à Bissot. En tout cas, M23, ils allaient s'éradicaliser de plus en plus.
Batali si eti magambo tali cantonnement, désarmement et autres, soit qu'un engagement mon côté na gouvernement congolais pour na bango eloko ezali ko compter ou bango ezali ko zeleza dialogue direct na gouvernement congolais. Alors que président de la République il y est pas ezali ko persister pour signer qu'on va être à ko dialoguer na baye en 23 ati. Et aussi quand une lecture. Lecture na ngai zaboy. Vous savez la gestion de monsieur Antoine avec son régime était inga makamwe belé. Était inga yaliboso que quand on gère, il ne faudrait pas beaucoup parler. Monsieur Antoine, alobaka yango, alobi ke non, ako dialogue na ba M23T. Mais ba père nyoso, ya EAC, na ba homologue na ye, ils sont maintenant en train de lui obliger de dialoguer avec le M23. Parce que vous allez voir, depuis l'année passée, je pense que c'était le mois de février ou septembre de l'année passée, Babanda qui déjà assise à Luanda pour la retrait il y a M23. Mais ça n'a jamais été exécuté. Bandima qui même copé sa Sabino, qui est 3300 km² na M23 azo souveraineté na yewana, mais ezala jamais exécuté. Bintou Keita, allez quand même à Senga, s'il vous plaît, le M23, s'il vous plaît, reculez. Ça n'a jamais été exécuté. Et M. Antoine, lui, Oyoma Lobana ezala kaba citation, parce que le parole du président de la République, ce sont des citations. Le parole du président de la République, ce sont des lois. Lui, par ses paroles, il a dit il ne va jamais dialoguer avec le M23. Pourtant, ma réclamation est à M23 et Zalaka. Balongo la basmo, ko traité o ba traité gabango ke baza ba terroriste. Et Zalaka, parmi ma réclamation na bango, et puis ba M23, ba yebisakande ko Antoine a respecté accord o yo ba yo kanakanaye pendant les 14 mois o ba M23 ba Zalaka a. Monsieur Antoine et son régime, ils nous parlent souvent de choses qu'ils ne font pas eux-mêmes. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'obligation qu'ils sont en train de faire, et ce que tout le monde impose maintenant au régime de Monsieur Antoine, de dialoguer avec le M23, ça va fragiliser le président de la République. Pourquoi ça va le fragiliser? Le monde entier maintenant va comprendre qu'il a reculé à ses propres mots. Raison pour laquelle l'autre fois je vous ai dit que le président de la République ne peut pas utiliser de termes maintenant sous fort. Par exemple, aujourd'hui, nous avons besoin de la paix à l'est de la République. C'est l'entendement de tous les Congolais. Et tellement que tout ça n'a pas ça à Kimia. Il y a des massacres, il y a des déplacés, il y a des tueries, na ba bombe na ba église zo salemaka. Et nyon sowana, en tant que président de la République, il doit réfléchir deux fois avant de parler et de prendre une décision quelconque. Et en ce moment, les M23 demandent un dialogue avec M. Antoine. Je ne sais pas ce que M. Antoine doit faire. Soit, il faudrait qu'il puisse reculer. Et aussi, il y a une loi où il va voter dans l'Assemblée nationale, pas brassage et mixage, et que ça, les malissous soutés. Maintenant, la question reste à savoir, est-ce que l'Assemblée nationale a voté loi moussous ou il va annuler loi wana? Ou bien, et que ça, la kaka va violer même loi où il va voter, parce que nous connaissons. Erba M23 ba kolinga ba dialoguer na ndeko Antoine ba kopesa ba exigence na bango. Pourquoi ba kopesa ba exigence na bango sur la table des négociations, les M23 akoya na position de force. Et la République démocratique du Congo ekoya na position ya faiblesse. Et ekoya na position ya faiblesse parce que il y a trois territoires ya mboka na biso oyo eza na maboko ya M23. Et bisonde toza na posa to récupérer ma territoire na biso. M23 a déjà wana. Ça fait plus d'une année que les M23 azo percevoir ma taxe. Ma frontière na biso, ma déplacement, ma péage nyonso wana. Ezo kende na maboko ya M23. L'administration
y a ba chef de territoire eza batu na bango exploitation illégale ya minerai na biso ezo salema au jour le jour par les M23. Donc en ce moment ils sont ils se sont déjà enrichis. Moi j'avais dit à monsieur Antoine que quand on arrive, quand le pays est agressé, bah ça les laka géologie néné, géographie stratégique, géographie de guerre. La géostratégie est comme ça la néné. Un, je l'avais expliqué ici. Côté là, sur le plan militaire. Sur le plan militaire, vous allez voir quelles sont les armes que nous avons et quelles sont les armes que les ennemis utilisent. Quand on a une option militaire, il faut que tu aies la frontière où ils ont la faible et où ils ont la faible facilement. La montagne est où ils ont la faible. Et ce qui est le plan stratégique, plan la stratégie où ils ont contourné. Deuxième plan, sur le plan politique. Sur le plan politique, il faut avec le président Misusu, Kosolola, Koyeba, politiquement, qu'est-ce que vous allez faire? Troisième plan, sur le plan diplomatique, il faut organiser des réunions avec de grands pays. Maintenant, sur le plan diplomatique, il faut que vous ayez comment vous représentez le problème de la situation où ils ont traversé. Mais j'ai compris que M. Antoine ne s'est pas porté la voix de son pays, Libanda. Parce que s'il savait seulement que le problème de la situation, on allait déjà trouver une solution. Le plan économique, combien vous avez financé pour Bossi le Samakambo? Il s'avérait que nous avons 16 milliards de dollars. Maintenant, 16 milliards de dollars, combien ils ont alloué? Combien ils ont alloué? Et c'est à partir de Makambouana, il y a géolené et géostratégie, nous avons frappé Batouana. Sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan politique et sur la diplomatie. Mais ici, tout, c'est comme si Ndeko Antoine Azosale la kaka ba propre monaï. Il nous avait dit lui-même, quand il est descendu à Masisi, il a demandé à ba troupes armées ba bima. Et Razongi a lobi que non, je vous demande de sortir parce que notre réplique sera impitoyable. Mais jusque-là, on n'a jamais répliqué. Mais c'est Antoine Andimi Kokoti Saba force, il y a sous-région, il y a EAC, sans que Mboso Ayeba, vous entrez dans Bangwe le camp d'Assemblée nationale, T. Ils n'ont jamais débattu Makambouana. Et comme ils n'avaient jamais débattu sur Makambouana, et aujourd'hui, l'Assemblée nationale est en impossibilité à contrôler Makambouya EAC. Quand l'EAC est arrivé, ils ont dit qu'ils sont venus faire la zone tampon. Mais M. Antoine a limité la liberté des Congolais. On ne limite pas la liberté de quelqu'un dans sa propre maison. Place EAC a parlé de sa kokomate. Et Christophe Lutundu là, nous avait dit par un communiqué que non, les forces régionales de EAC vont coopérer dans M23. Nous avons vu le M23, Willy Ngoma, avec les autres Batouyayani, et les autres, ils nous insultent que Mbokanabis est en armée, est en la police. Donc, par exemple, il y a Orange. Babaye bisan de ko Antoine boye ba koma ya kozwa solution na ba problème na bino nyoso bino moko. Mais tellement que monsieur Antoine ayo kaka na été, il fait des choses de sa manière. C'est comme ça que le pays est géré netika kanda kunaye. Aujourd'hui nous assistons maintenant à des spectacles désolants à l'interne. Awa on dit autre chose. Ce qui babimi libanda balobi makambo mususu côté kuna pe ya M23 makambo mususu ezoloba. Merci beaucoup, Malamboka Flori Béa. Pour finir, toujours en répondant à Mambi Matali, situation sécuritaire, Nabanza et Olanda qui procès. Il y a un kidnapper, il y a un s'aimer parce que jusque-là, il y a un bandal. Awa, bouclage de salami, je ne sais pas, toujours à la recherche, il y a un kidnapper et tout. Peine de mort.
réaction na yo tout pe analyse na yo le lengue procès wana illégal. Après si t'as mis 5 sur le 22, après si 5 peine de mort, bah misou bazoui bah 5 ans, bah misou bazoui bah 10 ans. Moi je suis totalement contre justice na biso lengue procédé. Bah même scénario moko oyo tokoka ki ko assister na moto et ça me pousse à croire qu'ils sont aussi impliqués na katia ba dossier. Ça me pousse à croire. Ça veut dire quoi? Vous arrêtez un malfant de gens qui sont avec des armes, de gens qui sont avec des ciseaux, bateau bazo sala ba opération ya mabé. Herboye na bango bo exhiber bango mbala moko na ba télévision. Pourtant, il fallait qu'on soumette bango na maboko ya anerto de miap. Et ANR comme service y a renseignement et landela bango na katuana s'il fallait même qu'on torturer bango pour baloba vérité fallait ba torturer bango et petit à petit ba landela arbre généalogique ti ba kanga mudon ekiri mobimba wana. Prenons un exemple, j'ai suivi l'autre qui avait parlé y a ba trafic y a ba rein. En écoutant parler des trafics de rein, je me dis, sûrement, n'engeza wana pour ma trafic ou wana salema, ils doivent être opérés avec des médecins. Mais herbe a présenté bango nyon son amoni place mongote moutou mongwa se présenter comme docteur. Et aussi, il faudrait ba expert na neurochirurgien. Parce que même nga nenge na zaboy, bako panza moutou ba la kisi ba fungo lienzo tomobimba ba obi flori la kisa ba renza wapi. Il faudrait un expert. Oya yebi que non, oyo ne rien. Et puis il faudrait loko moko ya ko bomba yango po e sala nini te e bebate. Mais aussi quand ils disent ça, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé le service de renseignement et kota ki na ba hôpital nyon sauté oyo ya ba indien ba chinois ba libanais ba contrôler na kati ya ba hôpital wana soki bangonde baza sima ya makambo wana. Je ne dis pas que ce sont des libanais, des indiens, j'analyse. C'est ce que j'ai dit, non? Ça me pousse à croire que il y a l'implication politique. Ça me pousse à croire. Parce que la manière de procès Kendeli, osomo na mutazo sambazane à l'aise. Imaginez neti mutoyo azo témoigner, il a même comme maimour na ko se moquer même un artiste musicien. Que non na kutaki alali munoko polele. Asimbi pe micro logo l'animateur. Soki bato balobi ozela. Donc c'est-à-dire que prenons l'exemple, il y a procès, il y a Mike Mukebayi. Quand Mike Mukebayi parlait, tu sens en lui que Aza totalement abattu dans la manière où il est maquillé. Mais en les voyant, est-ce que vous avez un bon lire psychologiquement qu'ils sont abattus? Très détendu. Il y a l'autre qui a dit que non, ceux qui bossent bien, nous allons démontrer Banini. Et la réponse, il y a juge. Alors, nous ne pouvons pas créer des psychoses dans la tête, il y a tout ça. Hein, limitons-nous dans la banine, tout ça. Les agents d'infiltration. Justement, les agents d'infiltration et la kissinine. Moi, je pensais qu'ils pouvaient dire que ce sont les agents d'espionnage. Mais ils disent les agents d'infiltration. Infiltration, c'est-à-dire quoi? Et les agents d'infiltration que lui connaît. C'est qui cet agent d'infiltration? Moi, elle m'a dénoncé bah, exactement parce que bah, le procès depuis Ebandi Awana. Est-ce que Bino Bomoni la police a kangi moto que non? To kangi moto yonde bazo semer enlèvement. C'est la population qui dénonce. Jusque là, c'est la population qui dénonce. Donc procès Oyo Basali, c'est comme ça qu'ils ont démontré que la justice de notre pays est vraiment en lambeaux. En tout cas, même bateau, bazala qui ko croire ou bazala ko côté la moni soutali ba commentaire. On est totalement décis. On est décis pourquoi? Parce que aucun Congolais ne voulait que ba zambi sa bato na biso to mona yango. Désir na biso ezala ki que le service de renseignement na de miap ba landela. Le problème c'est de toucher la moelle épinière.
y a problème. Le problème, c'est de toucher l'arbre généalogique et bandi wapi. Parce que des gens qui font des trafics, il y a barin, naba foi, ndengenyo so, basala ba trafic humain, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Batouana bazalaga vraiment bourré de moyens. Et des gens qui sont tellement puissants, comment est-ce que vous pouvez les attraper? Ça va être quelque chose, il y a beaucoup de. Hein, de et vous allez voir comment vous avez dit que vous bien. Mais herba ngo babandi ko samba moi j'ai suivi à un certain moment j'ai dit inutile même na sala l'autre va même accuser la police parce que moi je me dis ya liboso balaki sagabiso ya mama oyo bakangaka pembeni ya bureau ya honorable Thomas Louaka mama wana na kati ya bato bakangaki il y avait aussi les agents ya sécurité par exemple la police mais bato wana policier wana zapi. Muto bakanga ki wana n'est-ce pas que balaki sa ke arme boy et aussi ba arme nyoso na ba bal nyoso ezalaka enregistré er makambu wana bukangi bal moko masasi pa mutu boy il fallait ba chef ya ba unité nyoso ba koka ko contrôler ba unité na bango ko banda na la police mura FARDC babenga onini PEM ba police criminelle bango nyonso ba contrôler minduki na bango par rapport ya ba numéro wana na ba bal ba pesa bango combien zozanga et puis ba tout na bango soki ba perte za perte wana koti ndenge nini et pourquoi est-ce que arme wana bazwa ki za ya unité nini et bima ki ndenge nini et comment tout ça ça se fait c'est comme ça qu'on parle des unités intelligents ba service intelligent pe spécial mais oyo salemi tu as assisté kaka na ba aventure mot de la fin il y a manko oyo na ipe crime na mona ki koloba ete ba ko kende na bango ebele parce que au sein même il y a justice to peto ba ete baye oyo bazali ko kamba biso ba kondibele bazali na kati na bango azali ko témoigner en azali ko loba yango dans une vidéo na ipe crime mais alors que moi je me disais que le mususu moyen za la temps sous dévoilé té za la cité té temps sous tango ba oké na bango ba zongisa ka bango kuna ba zwaki ba komoto ba élément mususu biso ko kwa oyé baté mais na mona bango de la fin ya wo wana alobi été ba sambi malamu té parce qu'ils étaient capables ya ko pesa bango ba kombo ya ba mususu bazali impliqué donc ça veut dire que noté comme je pensais, je l'ai dit tantôt que tout ce qui t'a moussou qui a des moyens à la dévoiler, na batunyo so ba ko batou bazali impliqué, zate pourvu que ba kende ko landela ya bango ba kimate, mais apparemment ça n'a pas été dit. C'est ce que je vous ai dit. Apparemment la justice les a protégés. La justice les a protégés. La justice de notre pays est en lambeau. Justice yambo cannabis eza na li passo. Tout ça la justice, c'est mon coup y a bas ta misère. Y a toile d'araignée, c'est-à-dire que non, bas moustique, bas nini, des baso kanga. Mais bas rhinocéros, bas nyama ya miné, na koki ko kanga mana toile d'araignée. C'est ça la justice de notre pays. Justice y a toile d'araignée. Toile d'araignée kanga kangungi et kanga katuma bas nyama ya miké. Mais mpuku toile d'araignée ko kangete. Ntaba ou rhinocéros et kokanga yete biso banyama ya mikie justice kokanga facilement mais mutu oyo aza africain za homme fort justice kokanga yete na peso ba exemple justice kokanga kamere te justice kokanga yete ni longondo te justice kokanga batu nyonso wana balava bango c'est vrai qu'on ne revient pas à la décision de la justice mais batika la ola ki sabiso te banani bayibaka donc c'est faire insulter notre pays ils ont voulu dans leur esprit ola ki sake moi voilà on a attrapé des gens to sambisi bango mais manière ya ko sambise la ki si donc ba mifundi. C'est vrai que Patrick Muyaya, sa déclaration, j'ai vu que c'était lié à Makambu ya francophonie peut-être. Vous protégez la légère. Vous protégez le jeu franco ya francophonie. Mmh. Il pouvait bien sûr dire ce qu'il a dit. Mais la réalité.
Est-ce que ce système est-il? Est-ce que ce système où y a un enlèvement est-il? Surtout, il y a des vidéos qui ont sensibilisé les Congolais. Il y a des témoignages de maman. Il y a des gens qui ont opéré dans la convocation, dans le mandat, ils ont falsifié. C'est ça. Il y a des gens qui ont été vraiment dans les documents qui ont été enlevés. C'est ça le problème. Mais est-ce que la justice ou non? Pas justice. Peter Kazadi, il y a des statistiques qui ont été enlevés. Bateau baboma parce que ces gens là sont là. Basa les labis aux statistiques, il y a bateau baboma, statistiques, il y a un nombre d'enlevés. Tout ça, on a donné un secteur sensible à un militant de l'IDPS. Secteur wana ya ministère ya intérieur, on ne peut pas donner ce secteur na mutunuko la Peter Kazadi. Il n'a pas le niveau ya ko diriger ni niwana. C'est vrai qu'il a des diplômes, mais le niveau, le charisme, ils a secteur moko ya muto, il faut la poser. Il faut la donc c'est un secteur moko bako réservé à moi même pour na ba professeur. Bato ba vivre tellement trop. Je pouvais bien accepter que secteur wana so iba pesa kango bato lo wa ba kitenge Yesu. Ils ont tellement géré à un point que et logo mogo te go bangisaye. Il connaît le Congo, il sait ce qu'il peut amener. Mais des gens comme Peter Kazadi, minini, député provincial, Mbalam, tala Congo, même Nzambe, ba miracle, ça le magana mbonga, na mboka na biso ka mwaka. Wane le kina niveau ya go sala miracle. Député provincial, Mbalam mogo mini VPM, ya intérieur. En tout cas, nous avons des choses, Dada, il y a des choses qu'il faut se dire. Nous oublions facilement. Nous oublions facilement. Qu'est-ce que nous avons oublié? Je vais vous expliquer. Aux autres mbola nanzela, c'était Etchoubio dans le col. Oyo qui passe, aux onginanda ko chemungwa au fandi. Pourtant, pour battre Bayo tétanos, ce n'est pas 10 000 francs. C'est 5 000, 3 000 néneboy. Retard y a tétanos et vimbisio lokolo. Et er vimbisio lokolo, au komisko koluka, pour battre la intervention, ou eroki kome mayo, même na 100 dollars, ou bien eroki kosala ke lokolo poli, faut bakata yango. Quand M. Antoine est arrivé au pouvoir, n'est-ce pas qu'il y avait des miliciens de Kingabwa? L'isolo y a des miliciens de Kingabwa et Kenda Wapi. M. Antoine arrive au sommet de l'État. L'IDP, c'est la force du progrès Bakangi commune. Yangaliema. Pourtant, commune Yangaliema est à quelques mètres na. Président Bimaka a mon agabacha na commune drapeau ya force du progrès. Et Herbacha drapeau ya force du progrès, il ne s'est jamais inquiété ou cherché à savoir qu'est-ce qui se passe pendant plus de 3 mois. Ndeko Antoine aye, la force du progrès est sali ba prison na bango na Ngaliema. Nous avons des vidéos, je peux vous donner des vidéos où bazo mon force du progrès moni ba barre de fer. Bazo beta batu awa na bakote bazo bete bar de fer na mutu soki tozalaki na mboka ya état de droit nenge balobaka il fallait ba acteur wana to mona bango bakanga bango kende awa na première riba taxe nyon sorti 18e ri ce sont les militants de l'IDPS bazo kayango kabuya aye ko loba yango makasi ke mutu nyonso ko tele mise à pouvoir na biso to ko distribuer ba arme. Écoutez bien, mutu nyonso ko tele mise à pouvoir na biso to ko distribuer ba arme. Nzale koti vicher ekoti ba kongolais sikoyo ba komi contre pouvoir na régime ya ndeko Antoine. Est-ce que ce n'est pas Kabuya na ba déclaration nyonso oyo baloba ba milicien ya Kingabwa nde boti biloko oyo tozo vivre lelo
Ça, c'est la question qui reste à savoir. Parce que Batourana, comment est-ce qu'ils peuvent être protégés à ce niveau-là? Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas vraiment, on n'a pas voulu à Kokangaba, Oyo Bazaba chef Nabango? Tout ce qui s'est passé, Makamounyoso Oyo Batubaloba, et le cas n'a pas Kagaboué. Bobusani yango facilement. Où sont les armes que Kabouya Loba qui a distribué na batu? Est-ce que ça va armer Oyo Bazoku Tango na batu loté? Oui, oublions les choses. Mais au moment où nous parlons, il y a les miliciens de Mobondo. Où sont partis les miliciens de Kingabwa? Qui était le chef yaba milicien ya Kingabwa wana? Aujourd'hui, Maloukou Batouba, comme il y a Maloukou, même là, je vous ai dit l'autre fois, Mouta Benginga Flori, Okoya ou accompagné na Maloukou, na Béé, na Boye Gotika Vina Nakuna. Nous avons peur et Kinshasa, c'est le siège des institutions. Kinshasa, c'est le siège des institutions. Capital est qui cause la touche. Aujourd'hui, c'est la capitale qui est touchée. Et comme c'est la capitale qui est touchée, nous autres, sort la bise aux alanines. Bah ça lui va bouclage, mais là va bloquer, va bouclage au bas au Kangaka, va innocent. Bah ça lui va bouclage normalement, on a bouclage mutako bimaté, musu soako kotaté. Mais bah tu es belé, bah zo benga bise, ya bah bouclage côté na bise on a coopéré na ngaka kanabimi. Coopéré on a ceux qui sont des criminels ou a coopéré pour abim. Il y en a 1000 fois, 1500, 2000 fois dans les policiers. C'est vraiment triste. Vraiment, nous devons consulter l'histoire. Et puis, ceux qui ont l'église, ils ont une solution à Makambo. Nous avons besoin d'une justice équitable, indépendante. D'accord. Merci beaucoup, mon Mboka Floribéa. On est de Tchali Tonon, l'émission d'Abisson Moukoumoualelo. Numéro de téléphone, puis message à Mboussé. 243. 99 46 47 997 plus 243 99 46 47 997 maloba ya souk ezaboué bato ebele bakanisa alogo la biso to inande ko Antoine to inande ko Antoine te ndeko Antoine era komaki akuti ekolo ya masangu 500 francs soki ye akomisa ki yango 200 francs biso to kwa vouloir ye pona nini. Nenga kutaki lipa ya kanga journée 200 komisi yango 50 francs to kwa vouloir ye pona nini. Mais problème na biso eza ke ndeko Antoine azwa mato inaye ayo kaka plus ba déclaration ya ba opposant. Parce que les opposants nous amenons juste ba côté négatif oyo ya zo sala et ça lui permettra de bien gérer. Ndeko Antoine alingi jalelu tozo mituna est-ce que biso oyo Kumba oyo Etienne Tshisekedi amenaka oyo yekolisaki ndeko Antoine nde oyo ndeko Antoine azo salela. Vraiment merci beaucoup de m'avoir invité na kozanga te au chaque moment que actualité zali tokoya kaka poto pesa makanisi na biso. Merci beaucoup ndeko Floribéa, merci na popola yombi cordo pi mafui coupé Joël Gona gauche ça d'image jona ki sima caméra ande de tuel ton émission na biso mukuru mwalelo tukutani mbala sima so nkolo ba télévision. Au revoir.